Bonjour YouTube, bienvenue sur Taprak. Alors je sais que pour beaucoup, septembre, ça signifie la rentrée, la fin des vacances. Ça peut vous rendre un petit peu morose, ceux qui étaient bien en vacances. Moi, tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de vous proposer de d'étirer un petit peu cette période estivale en vous emmenant en Italie. Ou du moins, en vous amenant un morceau d'Italie. Puisqu'aujourd'hui, on va tester une arme que j'ai découvert il y a très peu. Alors, je l'avais depuis un petit moment à la boutique. J'avoue que j'avais pas vraiment prêté attention. Et ben, je peux vous assurer que je le regrette parce que on parle souvent d'aspects techniques, de tout ça avec les armes. On parle rarement de plaisir. Et avec cette arme, je vous assure que j'ai pris un plaisir à tirer avec fou. Et d'ailleurs, bah, je vais vite aller retourner tirer avec parce que pour moi, c'est vraiment une petite bombe. Comme je vous le disais, donc, c'est une italienne. C'est de la marque ADC pour Armi d'Alera Custom. On parlera un petit peu de la marque parce que c'est vrai qu'il y a très très peu de contenu sur français sur la marque disponible sur YouTube. Donc cette carabine, c'est une carabine de PCC pour la compétition en 9 mm couleur tan. Je vous montre ça tout de suite. Watch your six present. Comme je vous le disais, beaucoup beaucoup de plaisir à tirer avec et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc ADC, c'est une marque qui existe depuis longtemps. Elle a été créée en 1987. Comme beaucoup de marques qui ont dérivé sur la fabrication d'armes, au début, ils faisaient des customs, des réparations, des tâches bien spécifiques. Et en 1990, vu qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient tout le savoir, ils ont décidé de fabriquer leurs propres armes, et notamment des carabines. Il faut savoir qu'ils fabriquent tout, ils conçoivent tout et ils fabriquent tout chez eux, même les canons. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Et c'est vrai que c'est une marque qui est dans le paysage depuis relativement longtemps. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, peut-être assez confidentielle en France, assez confidentielle aussi sur YouTube. Pourtant, ils vendent des armes de super bonne qualité et ce qui est plutôt cool chez eux. D'ailleurs, si ça vous intéresse de faire plus de reviews, de présenter plus de modèles de la marque, il n'y a pas de souci. Une première chose qui est bien chez eux, c'est qu'on va trouver une gamme de prix super vaste. Dans les premiers AR-15, ils vont commencer à 1790€ et après, on va voir que les prix peuvent grimper très très haut. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on va parler de cette petite PCC en 9 mm qui se trouve juste au-dessus de moi, là derrière, et que je vais aller vous chercher tout de suite.
Petit contrôle de charge. C'est gratuit, n'hésitez pas à en faire. Ah, le t-shirt. Ouais, le t-shirt. Ceux qui sont intéressés par le t-shirt, eh ben, c'est Guillaume qui nous a fait ça. Ils sont vraiment cool. Si vous voulez les soutenir, bah, je vous mets tous les liens en description pour aller le soutenir. Soutenir ce qu'il fait un petit peu. Et surtout, bah, si vous voulez le même t-shirt, vous pouvez aller le trouver. Donc, voilà la PCC que je vais vous présenter aujourd'hui et qui, pour moi, est une petite révélation. Encore une fois, je vous dis, beaucoup de plaisir à tirer avec. À savoir que chez ADC, il y a trois gammes pour les PCC. Il va y avoir la gamme standard, compétition et super compétition. Ça, c'est qu'une version compétition. Donc, autant vous dire qu'à mon avis, j'ai pas pu tester en réel encore les super compétitions, mais ça doit envoyer du pâté. Ce que je vous propose pour la présentation, on va commencer de la bouche à la crosse. Première chose, première particularité chez ADC, c'est les freins de bouche. Ils ont des freins de bouche vraiment particuliers. On peut voir que celui-ci, les évents sont sur le dessus et on voit qu'en tir, les gaz sont vraiment projetés au-dessus. Ça va aider à contrôler le relèvement. Le canon, il est forgé à froid. Il a un pas de rayure de 1 dixième. Là, le modèle que je vous présente, il est en 14.5. Il est nitruré pour ce qui est de la finition. Et on peut voir une petite particularité. Donc, on voit vraiment que c'est une arme qui est faite pour le sport. C'est le garde-main. La particularité de ce garde-main, bah, c'est qu'il est complètement lisse. Donc, quel que soit l'endroit où vous allez le prendre, vous allez avoir la même sensation en termes de préhension. Ça, c'est plutôt cool. Sur le dessus, à 9h, à 3h et à 6h, on va pouvoir mettre du M-Lock hein, si vous voulez rajouter quelque chose. Mais là, ce que j'ai vraiment aimé, bah, c'est qu'on va pouvoir le prendre de n'importe quel angle et avoir toujours la même sensation, la même préhension. Le canon, bien sûr, il est complètement libre à l'intérieur du garde-main. L'autre avantage hein, d'avoir un garde-main lisse comme ça, c'est que si vous allez tirer avec des compétitions ou quoi que ce soit, vous allez vous passer sur des obstacles, des barricades, des choses comme ça, et bah, le garde-main, il va pas accrocher. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est vrai que ça peut donner un look un peu particulier, mais il faut bien voilà, se rappeler qu'on est sur une carabine qui est faite pour la compétition. On a un rail Picatinny sur le dessus, hein, de série. Là, elle est complètement d'origine. Le levier d'armement, il est ambidextre, on peut voir. Le pitch chargeur, il est évasé. Autre chose, on peut voir que la sûreté, ça va être à 45 degrés. Donc, ça permet de gagner un petit peu de temps. Quand on est sur safe, on met sur fire à 45 degrés. On peut voir que le bouton de chargeur, il est surdimensionné hein, pour le trouver plus facilement. Le lower et le upper sont usinés et forgés. Vraiment, vraiment bonne qualité, bonne sensation des matériaux. Hein. Je vous dis souvent, quand tu vois une arme, pour moi, tant que tu ne l'as pas eu en main, que tu n'as pas ressenti les matériaux, tu vois la densité, tu ne peux pas vraiment te faire un avis. Là, bonne qualité des matériaux. Donc, pour ce qui est des commandes, hein, comme je vous le disais, sélecteur à 45, mais il est aussi ambidextre, ça c'est plutôt cool. La poignée, un petit peu particulière, où je trouve qu'on a une bonne préhension, elle est relativement assez fine. Après, la crosse, elle est réglable. Pour ce qui est de la détente, et croyez-moi, la détente, elle est pépite. Enfin, c'est une détente bon, qui est montée de série. Je sais que donc, comme je l'ai dit, sur la gamme super compétition, on va pouvoir avoir quelque chose encore de mieux. Mais déjà là, c'est vraiment top. C'est une détente qu'ils appellent tactical. Le poids de départ, je crois qu'il est entre 2 kg et 2,5 kg. Et ce qui est vraiment agréable, vous savez, souvent, quand on va taper sur des queues de détente ou des détentes mi-spec, eh ben, si tu vas un petit peu vite, tu peux arriver à avoir la sensation que la détente, elle ne va pas suivre. Là, je peux vous assurer que si tu trouves le bon rythme avec ça, tu vas pouvoir envoyer sévère. Et ben, c'est de là qu'on va tirer tout le plaisir. Des gongs ou plusieurs cibles avec ça, cette arme, elle est pépite. Franchement, comme je vous disais, s'il y a un mot que vous devez retenir et associer avec cette arme, pour moi, ça a été un pur plaisir à tirer avec. Bon, ça bouffe des cartouches, hein, ça va très vite. Mais voilà, tu te mets quelques gongs et puis tu peux envoyer. Et franchement, c'est super bon. La détente, je vous dis... On peut envoyer, elle va bien répondre, ça, c'est vraiment terrible. Et je vous dis, je suis impatient de tester un modèle super compétition parce que déjà là, c'est vraiment bluffant. Donc ADC, c'est une marque à mettre sur votre wishlist. Si vous n'avez pas déjà un, vous pouvez essayer. Ce PCC, c'est vraiment du feu. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu étais peut-être indécis, si tu pensais à acheter une carabine de chez ADC, bah, j'espère qu'on t'a aidé à prendre ta décision. Après tout, c'est pour ça qu'on fait ça. N'hésite pas à nous retrouver sur Facebook, Instagram et OKS. Tu sais, OKS, c'est la plateforme payante où on propose du contenu exclusif. Mais notamment, en avantage, tu as des remises sur l'armurerie qui vont faire que bah, l'abonnement il te sera remboursé à ton premier achat. Rejoins-nous. De toute façon, tout est en description. Je vous dis à bientôt. C'était Gaëtan.